Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal en ce 7 mai 2024 à 19h. Donc, le point 1, ouverture de la séance et mot d'ouverture vient d'être fait. Le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Est-ce que Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 7 mai 2024. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 3. Adoption des procès-verbaux du conseil municipal de la séance ordinaire et extraordinaire tenue respectivement le 9 avril 2024 à 19h et le 15 avril 2024 à 17h. Madame la mairesse, je propose également aux membres du conseil l'adoption des procès-verbaux du conseil municipal du 9 avril 2024 et extraordinaire du 15 avril 2024. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce qu'on a quelqu'un inscrit? Donc, bien vouloir vous diriger au micro. Et vous nommez? Bonsoir, Robert Bissonnette. Bonsoir, Monsieur Bissonnette. Bonsoir, mesdames et messieurs. Justement, on va parler de l'Assemblée spéciale qui a eu le 15 avril. J'aimerais poser la question, la raison pour laquelle vous avez convoqué une Assemblée spéciale? On a convoqué une Assemblée spéciale, extraordinaire, une Assemblée extraordinaire, afin d'octroyer le contrat de construction de la caserne de sécurité incendie. Oui. À partir de là, Madame la mairesse, vous avez accordé un contrat de 13 176 793 $ alors que le PTI démontre pour l'année 2024 6 600 000. Comment allons-nous financer le projet? Je pense que sur le PTI a été réparti sur une autre année également, là, 2024-2025, qui avait été scindé en deux, mais il y a les sommes nécessaires pour payer l'infrastructure. Oui, mais de quelle manière? De quelle manière qu'on va payer la facture? C'est une augmentation de taxes? Bien, c'est sûr que tout règlement d'emprunt va passer par une taxation municipale. Donc, après ça, on commence à taxer une fois que les travaux sont terminés. Donc, les travaux seront terminés seulement vers septembre 2025. Donc, les gens seront taxés sur la caserne d'ici là. Et d'ici là, bien, il va y avoir des règlements d'emprunt qui vont être diminués ou il va y avoir des subventions aussi à travers ça. Donc, je ne peux pas vous dire là, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce que je comprends dans votre réponse, Mme la mairesse, c'est qu'il n'y a pas de travaux prévus pour 2024. Oui, les travaux commencent là. C'est pour ça qu'on a... est-ce qu'il y a une note à la soumission que le contracteur va financer le projet? Dans le fond, pouvez-vous y expliquer, oui. Monsieur? Ben, comme on vous a déjà expliqué, M. Bissonnette, règlement d'emprunt, dans le fond, c'est pour prévoir des sommes qui vont servir à payer l'ensemble des travaux tout au long des travaux. Au début, en fait, ça va être en 2024, les travaux vont commencer. On va financer avec l'aide du projet du règlement d'emprunt à partir de 2025. C'est pour ça qu'au PTI, ça apparaît en 2025. Pour la portion où on doit payer les travaux de construction de la caserne avant d'aller faire le règlement d'emprunt, l'utilisation du règlement d'emprunt, c'est des frais de financement habituels. C'est comme ça que c'est fait. On ne va pas aller utiliser le règlement d'emprunt à chaque dollar qui est dépensé. On attend d'avoir une bonne tranche. Parce que si je remarque que le 6 600 000 est déjà bien engagé, à moins que vous alliez canceller la rue La Jeunesse. Ça, c'est le gros montant. La rue La Jeunesse ne se fera pas cette année. Il y a d'autres évaluations à faire, analyses, okay, présentement. C'est 3 500 000 qui va être en surplus à ce moment-là. Bien là, c'est parce que vous calculez qu'on ne fait pas la rue La Jeunesse, oui. Mais on est en train d'évaluer, d'analyser qu'est-ce qu'il y aura à faire ou refaire une autre année. Donc, je ne peux pas dire que j'enlève ça pour mettre ça. La caserne est là, mais cette année, c'est vrai que la rue La Jeunesse ne se fera pas. Donc, il n'y aura pas ce montant-là pour la fin des travaux en 2024, qu'elle aurait été finie. Fait que ça aurait été commencé à être taxé en 2025. Bien là, ça ne sera pas taxé en 2025. Et la caserne va commencer seulement
au dernier trimestre de 2025, où ce qu'elle va être terminée. Mais est-ce que je comprends, que la rue de la Jeunesse a déjà été taxée? Non. À 6 600 000, parce que la rue de la Jeunesse, elle est sur le PTU 2024. Elle ne se fera pas cette année, la rue. On a besoin d'analyse puis de réponses supplémentaires. OK. Ça veut dire que c'est un surplus budgétaire. Bien, c'est une somme qu'on n'emprunte pas. Merci beaucoup. Merci. Point 5, avis de motion. 5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1332-2024, modifiant des dispositions du règlement numéro 430-92, abrogeant le règlement 339-89 concernant l'utilisation de l'eau provenant du réseau d'aqueduc de la Ville. Oui, donc, c'est le règlement concernant l'utilisation de l'eau. On s'est rendu compte un peu que les amendes n'étaient pas assez dissuasives pour respecter le règlement. Donc, par exemple, pour un citoyen qui ne respecte pas, c'était de 25 à 300 $ pour une première infraction. On passa de 250 à 600 $ pour avoir vraiment un impact un petit peu plus significatif. Puis, par exemple, les camions qui viennent à l'usine de traitement d'eau, s'ils renvoient de l'eau contaminée dans le système, avant, c'était des montants... je ne me souviens plus exactement, mais on a ça aussi, là, on a doublé les montants. Là, pour ça, pour arriver jusqu'au moins un montant de 1 000 maximum pour les premières infractions. Puis après ça, bien, on a des montants aussi pour les récidives qu'on a fait augmenter aussi, qui étaient de 100 à 300 $, de 350 à 550 $. Donc, je fais l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Oui, peut-être juste mentionner aussi que c'est une demande aussi qui a été traitée au comité consultatif des changements climatiques et développement durable. Donc, puis c'était aussi une action dans le plan d'action en développement durable. Donc, c'est une volonté citoyenne aussi de faire en sorte que les gens gaspillent moins l'eau et d'augmenter les amendes. C'est bien ça, monsieur? Oui. Donc, l'avis de motion est déposé et le projet de règlement par M. Pierre-Olivier Roy. Le Madame point. Je vais vous permettre de revenir, mais habituellement, je continuerai parce qu'on est déjà passé à l'autre point, le 5.1. Parce que la mention avait été faite avant l'Assemblée. Oui, mais c'est à vous. C'est à vous à dire les questions que vous avez avant d'aller vous asseoir. 18.2, Madame la mairesse, pourriez-vous nous donner qu'est-ce que ça peut comprendre, l'autorisation d'une signature d'une bande définitive? Oui, donc ici c'était lors d'une vente pour taxe, un résident avait acheté un lot mais il n'avait jamais été enregistré. Donc là avec le 18.2, on enregistre l'acte d'achat du citoyen et au 18.3, c'est la suite où ce que nous on lui rachète cette partie de terrain-là. Le problème d'achat va tomber à la ville. Oui. Merci. Merci. Donc, je reviens au point 5.2 et là je continue, donc on n'arrêtera plus jusqu'à temps qu'on soit rendu à la période de questions. 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1333-2024, modifiant le règlement 784-2006 concernant les cases de stationnement pour les véhicules avec remorque à la place François de Salles-Gervais. Oui, Mme la mairesse, c'est donc une modification qui permet l'inscription et le paiement en ligne des cartes de stationnement pour les remorques, tout simplement. Donc, j'en donne avis de motion. Donc, c'est donné l'avis de motion et le dépôt de projet donné par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Je passe au point 7, direction du greffe et des archives. Le 7.1, autorisation de signature, beau de location de terres agricoles cultivables et renouvellement. Vous pouvez regarder à l'écran. Oui, donc avant, nous avions seulement deux baux, un avec Moreau et l'autre avec Verbeek. Donc, cette année, on vient officialiser les baux directement. On a repris des petites parcelles de terre du baux de Moreau pour aller faire une entente directement avec les gens qui font la location. Donc, on a la ferme Rabiol et Duxelles avec un 1.15 hectares
Et on a aussi un nouveau citoyen qui veut essayer de partir, une petite, petite ferme, monsieur... Excusez-moi, là, mais... Toucou. Bernard... Toucou. 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 Excusez-moi. Toucou, c'est ça. Monsieur Bernard Toucou, dans, pour un point 44 hectares. Donc, on a des beaux... excusez-moi, je vais juste ressortir le montant. J'ai eu un petit problème ici. Pour M. Toucou, on a un 217,44 pour l'année avec la ferme Rabiole. Nous avons un montant de... Non, je vais retrouver ça aussi. Excusez-moi. 125? Ça se peut. j'ai oublié de le marquer ici. Puis là, mon document est fermé. Ah, 250, c'est, pardon. C'est 250, c'est le même montant que M. Toucou. C'est bon. Oui. Ce qui avait été entendu, vu que c'est, oui. Même si c'est plus grand, on faisait un montant un peu... ah, 217 et 44 aussi. Donc, on fait un montant un peu, vu que c'est un organisme à but non lucratif, là, on fait un montant un petit peu moins là, pour encourager ça aussi. Puis avec les fermes, la ferme Moreau et Verbeck, là, c'est des montants habituels. Ça ne sera pas très long, je vais essayer de retrouver le montant. Excusez-moi. On avait 6559,55 pour, excusez-moi, je pense que c'est Verbeck. Et nous avons un montant de 20,261,07 pour M. Moreau. Donc, je propose l'autorisation de signature des baux pour cette année. Et j'appuie mon collègue M. Pierre-Olivier Roy, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 7.2, autorisation de signature, contrat de prêt à usage d'un local Cercle des fermières de Contrecœur. Oui, considérant que la Ville et le Cercle des fermières de Contrecœur ont conclu un bail le 14 juillet 2023 concernant la location d'un local situé au centre Aristide-Arpin, au 272 rue de l'Église à Contrecœur, et que ce bail vient à échéance le 30 juin 2024, la Ville et les Cercles des fermières de Contrecœur souhaitent conclure un nouveau contrat. Considérant que la conclusion d'un contrat de prêt à usage à titre gratuit entre la Ville et les Cercles des fermières de Contrecœur relativement à l'occupation d'un local à la charge de lui rendre après un certain temps, est réalisé conformément aux articles 23-13 et suivant le Code civil du Québec. Je fais la proposition d'accepter tel que rédigé le contrat de prêt à usage à intervenir entre la Ville de Contrecœur et le Cercle des fermières relativement à l'occupation d'un local situé au centre Aristide Arpin pour une durée initiale de 3 ans à compter du 1er juillet 2024 et renouvelable à échéance pour des périodes de 1 an chacune. Et j'appuie ma collègue, Mme. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 7.3, renouvellement, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achats en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques 2024-2029. Oui, Mme la mairesse, alors le but de l'entente est de permettre à l'UMQ de préparer la documentation requise, d'aller en appel d'offres public pour les municipalités du regroupement et d'acheter des produits d'assurance pour le cyber-risque à meilleur coût. Donc, c'est un regroupement, le pouvoir d'achat est optimisé. L'entente va être sur une durée de 5 ans, donc du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va en coûter à la Ville 206 $ par année. Donc, j'en fais la proposition. Et j'approuve Mademoiselle Marie-Guy Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 7.4, dépôt certificat d'attestation de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 1327-2024, printemps au plus, 563 000 pour financer des travaux de réparation du pont P, 14 751, situé sur la rue Saint-Antoine, au-dessus de l'autoroute 30 à Contrecœur. Donc, personne n'est venu signer, c'est un dépôt.
7.5, dépôt certificat d'attestation de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Règlement numéro 1329-2024 concernant la création d'une réserve foncière pour les dépenses reliées à l'entretien et l'amélioration des infrastructures nautiques. Là aussi, aucune personne qui est venue signer, donc c'est un dépôt. Le point 8, finances. 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 1er mai 2024. Oui, alors la liste des comptes à payer totalise 832 419,61 $. Cette liste couvre la période du 5 avril 2024 au 1er mai 2024. Alors, je fais la proposition d'adopter cette liste de comptes à payer. Et j'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 8.2, nomination signataire des opérations bancaires pour et au nom de la ville de Contrecœur et abrogation de la résolution 2022-07-185. Oui, alors cette résolution 2022-07-185 désignait la trésorière à titre de signataire des opérations bancaires pour et au nom de la ville. Et elle nommait aussi des substituts pour la remplacer, considérant la démission de cet employé et la récente nomination d'un directeur du service des finances et trésorerie. Il y a lieu de désigner des représentants et de déterminer leur pouvoir pour l'administration des affaires bancaires avec la Caisse des Jardins et les autres institutions financières avec lesquelles la Ville transige. Alors, je fais la proposition de nommer le directeur du service des finances et trésorerie, M. Stéphane Douault, à titre de représentant de la Ville de Contrecœur à l'égard de tout compte qu'elle détiendra, tant vis-à-vis la Caisse des Jardins que les autres institutions financières avec lesquelles la Ville transige ou est appelée à transiger, ainsi que toute documentation relative aux affaires financières de la Ville. Donc, ce représentant exercera tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Ville et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la Ville. On compte émettre, accepter, endosser, négocier, escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, négocier ou approuver tout retrait, document, pièce justificative, demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la Ville, obtenir le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission, la modification ou la révocation des cartes de crédit, fixer les limites de crédit, les majorer, les diminuer, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec les limites de crédit octroyées. Et aussi signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la Ville. Je propose aussi de nommer les personnes suivantes à titre de signataire substitut au directeur du service des finances et trésorerie, donc M. Thierry Larrivé, directeur général, M. Nicolas Davy, directeur général adjoint, et Mme Annick Lorion, notre directrice adjointe au service administratif. J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette. Et c'est appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, dépôt rapport du mouvement du personnel, convention et personnel surnuméraire. Donc, c'est un dépôt. Le point 9.2, réorganisation, direction du service technique. Oui, alors, considérant que la chef de division du service de l'assainissement des eaux est responsable des installations de Contrecœur des municipalités de Verchères, Quelque-Solavelé, en vertu des ententes entre les parties, considérant que le titre actuel spécifique à la division de l'assainissement des eaux ne reflète pas le rôle et les responsabilités liées à la fonction, considérant la volonté du conseil municipal de conserver son personnel qualifié, et ce dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, considérant la modification du titre de l'emploi actuel et d'intégrer à l'équipe direction de la Ville un membre du service de gestion de l'eau reflétant les rôles et responsabilités liées à cette fonction, et étant donné toutes les tâches qui sont reliées à son travail et son implication dans plusieurs projets transversaux, je propose que le titre de chef de division d'assainissement de l'eau soit modifié pour celui de directrice du service de la gestion de l'eau, que le poste de chef de division de l'assainissement de l'eau soit aboli en tant qu'elle est présente, à date de présente, que l'organigramme de la Ville de Contrecœur soit modifié conséquemment à la création de ce nouveau poste et que Mme Catherine Bouchard soit nommée rétroactivement au 10 avril 2024 aux conditions générales suivantes, salaire annuel suivant la classe salariale 10 étoiles, échelon 8 de la structure salariale en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par Mme Karine Messier. Oui, excellent, exactement. Le point 10, loisirs et culture, 10.1, autorisation de fermeture de rue, aide technique, course de boîte à savon, club optimiste de Contrecœur. Oui,
Donc, considérant que la réalisation d'une course de boîte à savon le 15 juin 2024 par le Club Optimiste, considérant les besoins formulés par le Club Optimiste de Contrecœur dans le cadre de cette activité, et que l'activité sera reprise le lendemain en cas de pluie, la Ville de Contrecœur collabore physiquement à la réalisation de cet événement par l'entremise de ses services. Que le Club Optimiste de Contrecœur soit autorisé à fermer la jeunesse de la rue Lheureux à la rue Sainte-Thérèse, y compris les intersections qui croisent la rue La Jeunesse, le samedi 15 juin 2024 entre 7h et 17h. Donc, j'en fais la proposition. Et je puis ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame Karine Messier et appuyé par Monsieur Pierre Bellil. Donc, le point 10.2, autorisation de signature entente de service de navette fluviale reliant les villes de Contrecœur et de La Vettrie avec la société croisière Narvac Inc. Les Verrées du Fleuve 2024. Oui, considérant que les villes de Contrecœur et de La Vettrie souhaitent reconduire l'événement Les Verrées du Fleuve en 2024, que le Contrecœur touristique souhaite attirer davantage de citoyens et de visiteurs sur le territoire, que les villes de Contrecœur et de La Vettrie s'engagent à remettre les sommes amassées à des organismes locaux, que les villes de Contrecœur et de La Vettrie ont déjà travaillé avec l'entreprise Navarc, qui offre des services de navette fluviale, et que l'entreprise est conforme aux exigences de certification de sécurité du Transport Canada. Je fais la proposition, mais que les Verrées du Fleuve, pardon, je vais vous nommer les dates, entre Contrecœur et La Vettrie soit réalisé selon l'horaire suivant, le 8 août de 16h à 21h, le 9 août de 17h à 23h, le 10 août de 10h à 23h et le 11 août de 10h à 17h. Aussi, pour les tarifs, ça va être de 8 $ par adulte et 5 $ par enfant pour un coût total de des frais total de 9 900 $ plus taxes. Donc, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Et j'appuie ma collègue Mme la mairesse. Et c'est appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 10.3, autorisation de fermeture de rue Trottifesse au parc Henri-Lacroix le 8 juin 2024. Oui, considérant que l'objectif du Trottifesse est de faire bouger les jeunes en leur apprenant à utiliser sécuritairement leur trottinette au pom-track du parc Henri-Lacroix, considérant qu'un segment de rue est nécessaire pour la réalisation de la clinique d'initiation de la trottinette sur des modules réalisés par l'entreprise TAS Skate Park, considérant que la programmation du Trottifest aura lieu le 8 juin de 13h et 16h, considérant que la fermeture des rues n'affectera pas la circulation pour les citoyens qui résident sur cette rue, je fais la proposition que soit autorisée la fermeture de la rue Richard entre la rue Piché et la rue qui sera accessible aux piétons seulement le samedi 8 juin 2024 entre midi et 17h. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Madame Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le 10.4, autorisation de fermeture de rue à aide technique, comité organisateur de la Fête nationale 2024. Oui, considérant que la Ville de Contrecœur collabore physiquement, considérant l'entente de service de 3 ans signée en mars 2022 selon la résolution numéro 2022-02024 qui établissait les montants de la subvention et les modalités associées à la réalisation de la Fête nationale à Contrecœur, considérant que la Fête nationale est un événement d'envergure apprécié et attendu par nos citoyens, je fais la proposition que la Ville de Contrecœur collabore physiquement à la réalisation de la Fête nationale par l'entreprise de ses services. L'entremise de ce service, que le comité soit autorisé à tenir l'événement à la place François de Salle-Gervais, permettant ainsi la fermeture d'une partie de la rue du Charme et du stationnement de la mairie dès 22h le 22 juin 2024 jusqu'à 7h le 24 juin 2024. Et qu'un montant de 21 000 $ soit alloué du budget de la ville pour le comité organisateur de fête nationale pour le supporter dans ses services, tel que prévu dans l'entente de service adoptée par la résolution 2022-02-124. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil.
Le point 10.5, versement d'une aide financière, organise les événements Diable au camp pour l'organisation du Festival des Diableries édition 2024. Oui. Encore une fois, cette année, la Ville va offrir une commandite aux Diableries au montant de 45 000 $. Le festival, cette année, a lieu la fin de semaine du 9 et 10 août. Je peux aussi vous rappeler que le comité organise sa conférence de presse d'ici peu. C'est à ce moment que va être dévoilée la programmation, soit le 16 mai prochain. Donc, je vous encourage fortement à suivre les réseaux sociaux, la page Facebook des Diableries pour en savoir plus sur ce qui s'en vient. Puis sinon, bien sûr, l'aide technique va être apportée comme l'an dernier et les autres années, de la part des travaux publics pour supporter l'installation au Parc Antoine Picaudy. Exactement. Hein, c'est un rendez-vous. Oui, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Et j'appuie ma collègue Mme Messier. C'est appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois d'avril 2024. Oui, alors mensuellement, nombre de permis émis 48. Unité de logement créée 1, unité de logement supprimée 0, pour une valeur totale de 2 769 832 $. Cumulatif jusqu'à la fin avril, donc depuis le début de l'année, 123 permis, 3 unités créées, pour une valeur de 11 822 930 $. Et annuellement, donc avec ce qui s'est passé depuis la fin avril et jusqu'à aujourd'hui, 124 permis, toujours 3 unités de créées, pour une valeur totale de 11 886 205 $. Donc, c'est un dépôt. Merci des informations, M. Dansereau. 11.2, approbation, demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, 2024-033-4695, rue Joseph Lamoureux, le lot 6,295,828 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, alors, considérant que l'analyse de conformité des critères énoncés au règlement numéro 870-1-2010 sur les plans, sur les PIA, développement le boisé Picaudy et les sentiers boisés de Contrecoeur révèle le projet en toute conformité. Considérant que la nouvelle ouverture dans le solage s'agence avec des fenêtres et des étages supérieurs, considérant la recommandation 021-24 du comité consultatif d'urbanisme, daté du 6 mars 2024. Donc, je propose d'approuver la demande de permis. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 11.3, approbation, demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2024-057-5989, route Marie-Victorin, le lot 4,814,172 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Donc, je rappelle pour les gens présents qu'on peut situer ça facilement sur la carte. Alors, considérant que l'analyse de conformité en lien avec les critères du règlement numéro 786-2006 sur les PIA, développement du moulin, révèle un projet en conformité avec les objectifs et les critères du règlement, considérant que le projet d'agrandissement s'harmonise avec son environnement immédiat, contribuant positivement au tissu urbain existant, considérant que l'extension proposée met en lumière une linéarité architecturale intéressante de la façade, enrichissant l'esthétique globale du bâtiment ainsi que son insertion urbaine, alors considérant la recommandation 021-24 du comité d'urbanisme consultatif d'urbanisme, datée du 10 avril 2024, donc je propose d'approuver la demande de permis. Et j'appuie mon collègue M. Dansereau. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 11.4, approbation, demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2024-060-4540, rue Louis Fizet, le lot 6,481,805 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Donc, oui, considérant que l'analyse de déconformité en lien aux critères du règlement numéro 870-1-2010 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIA, développement le boisé Picaudy et les sentiers boisés des Contrecoeurs révèle un projet, encore une fois, en conformité avec les objectifs et les critères du règlement,
Considérant que le design architectural moderne et contemporain du projet s'intègre harmonieusement dans le paysage urbain du secteur concerné, considérant que la proposition de construction se distingue par une unicité tout en adoptant un style à la fois sobre et attractif qui enrichit le cadre bâti environnant, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme 021-24, datée du 10 avril, donc en conséquence, je propose d'approuver la demande de permis. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 18, administration générale, 18.1, autorisation de signature, avenant, entente relative à l'initiative tarifaire de la Ville de Contrecamp pour l'accès gratuit aux services de transport collectif pour étudiants et pour les personnes aînées de 65 ans ou plus. Oui, considérant que l'autorité a pour mission de planifier, d'organiser, de financer, de développer, de promouvoir les services de transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal, que l'entente relative à l'initiative tarifaire de la Ville de Contrecoeur, accès gratuit aux services de transport collectif pour étudiants et les personnes âgées de 65 ans ou plus pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, a été signée par les parties le 29 août 2023 et est actuellement en vigueur. Considérant que la clause de renouvellement prévue à l'entente stipulait un renouvellement pour la période du 1er janvier 2024 exclusivement, considérant qu'il y a lieu de signer un avenant à l'entente afin de modifier l'article 10 et prévoir un renouvellement automatique chaque 1er janvier pour une période se terminant le 31 décembre de la même année, je fais la proposition d'autoriser que le directeur général Thierry Larivé a signé pour ou au nom de la Ville, l'avenant de l'entente à intervenir entre la Ville et l'Autorité régionale de transport métropolitain relativement à l'initiative tarifaire de la Ville de Contrecoeur pour l'accès gratuit aux services de transport collectif pour étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 18.2, autorisation de signature, vente définitive, le lot 5 024 893 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, alors c'est qui avait été discuté à la période de questions. Donc, la Ville de Contrecoeur a publié le 22 novembre 1999 un préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères sous le numéro 22-334-195. Le lot anciennement connu et désigné comme étant le lot 378 au cadastre officiel de la paroisse de Contrecoeur, désigné comme étant le lot 5 024-893 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, suite à la réforme cadastrale, a été adjugé le 8 décembre 1999 au terme du certificat d'adjudication publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères le 28 janvier 2000, sous le numéro 22 485 615. Donc, plus d'un an s'est écoulé clairement depuis l'adjudication. Aucun droit de retrait n'a été exercé par les propriétaires. Donc, l'adjudicataire a droit d'obtenir un acte de vente définitive conformément à l'article 538 de la Loi sur les cités et villes. Donc, je propose d'autoriser la vente définitive à M. Gosselin de l'immeuble anciennement connu et désigné comme étant le lot 378 au cadastre officiel de la paroisse de Contrecoeur, désigné maintenant comme le lot 5 024 893 du cadastre du Québec, que tous les frais découlant de la vente soient à la charge de l'adjudicataire, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente définitif et tous les documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Claude Bérard. 18.3, autorisation de signature, promesse d'achat, le lot 5 024 893 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, donc c'est toujours au sujet du même lot. Les intentions du conseil municipal sont de procéder selon les opportunités à des acquisitions s'inscrivant dans la stratégie d'aménagement et du développement de la Ville. Donc, considérant que le lot est adjacent aux terres agricoles appartenant à la Ville de Contrecoeur, considérant les discussions intervenues avec les propriétaires des immeubles et la Ville de Contrecoeur, je fais la proposition qu'un mandat de négociation soit consenti au directeur général de la Ville afin de conclure une possible transaction. Et si on en vient à une négociation satisfaisante pour toutes les parties, d'autoriser le directeur général à signer la promesse d'achat à intervenir pour et au nom de la Ville de Contrecoeur pour l'acquisition d'une partie du lot 5 024 893 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. J'en fais la proposition.
Et j'appuie également ma collègue Mme Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal M. Claude Bérard. Le point 18.4, autorisation de signature convention d'aide financière Office régional d'habitation de Marguerite Douville. Donc, considérant que la Ville de Contrecœur reconnaît l'importance de soutenir le développement des projets immobiliers non spéculatifs dans la région, donc c'est les habitations à logement modique abordables, considérant que l'Office régional d'habitation de Marguerite Douville, l'ORH, a présenté un projet immobilier non spéculatif à la Ville, que l'Office régional d'habitation de Marguerite Douville sollicite le soutien financier de la Ville pour la réalisation de ce projet, que la Ville est disposée à accorder une aide financière sous réserve des modalités énoncées dans la présente convention d'aide financière désignée et que cette aide sera versée afin de permettre le financement pour la réalisation du projet d'habitation. Donc, c'est un montant de 75 000 $ qui va être accordé, qui va servir vraiment à toutes les études préparatoires qui est demandée par l'institution financière pour obtenir le financement du projet en tant que tel. Donc, on veut aller de l'avant avec un projet qui va aider à soutenir notre communauté. Donc, je fais la proposition d'autoriser la signature de la convention d'aide financière de l'ORH. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 18.5, autorisation de signature, avenant, protocole d'entente entre la Ville et l'association Chasse et Pêche de Contrecœur pour l'utilisation du parc Joseph-Étienne Chaput. Oui, considérant que par la résolution 2023-12-316, le conseil de la Ville de Contrecœur a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec l'association Chasse et Pêche de Contrecœur pour l'utilisation du terrain pour les saisons hivernales 2023-2024 et 2024-2025. Considérant qu'à la suite d'une réévaluation des coûts, le conseil municipal a convenu de retirer les coûts des frais annuels des taxes de services commerciaux relatifs à la taxe d'eau et la taxe des gestions de matières résiduelles. Donc, je fais la proposition que le coût des frais annuel de taxes de service soit retiré et remboursé à l'association Chasse et Pêche pour ces deux saisons. Et j'appuie cette proposition. C'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par M. Claude Dansereau. Le point 18.6, versement d'une aide financière, unité 50 de la garde côtière auxiliaire canadienne. Oui, alors... considérant la mission de la garde côtière auxiliaire canadienne consiste à satisfaire les besoins en matière de sauvetage et de sécurité nautique et de prévenir les pertes de vie et les blessures en milieu maritime, considérant que cet organisme offre un service de proximité en recherche et sauvetage dispensé par des bénévoles dédiés à la cause, considérant que l'organisme est très impliqué dans la communauté et que son port d'attache est situé au port de plaisance de Contrecœur, alors, considérant que les villes de Contrecœur désirent aider financièrement cet organisme dans l'exercice de ses fonctions, dont la population de Contrecœur bénéficie. Alors, je me propose de verser une aide financière de 1 500 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne pour le service de patrouille de sécurité nautique sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 18.7, appui, projet de patinoire protégé par un préau, colonie des grèves de Contrecœur, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Oui, alors considérant la demande d'appui formulée par la colonie des grèves pour que la Ville, dans le cadre d'un projet de patinoire, protégé par un préau, considérant que la patinoire existante est impraticable lors de phénomènes météo, considérant que les investissements proposés prolongeront de plusieurs jours l'état de la patinoire, tant qu'il ne fait pas trop chaud, considérant que ce plateau permettra des activités de type basketball, volleyball, hockey-bottine, considérant que les citoyens de Contrecœur ainsi que les activités du parc régional des grèves vont grandement bénéficier de cette installation. Donc, c'est toujours utile pour les organismes comme ça d'avoir des appuis de leur ville. Alors, je propose d'appuyer ce projet.
J'appuie mon collègue Claude Danscot, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Danscot et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 18.8, motion de félicitations, nomination au poste, demande cooptée. Directeur du service incendie de Contrecœur, Bruno Isabelle. Considérant que la ville de Contrecœur tient à féliciter Bruno Isabelle, directeur du service incendie, pour sa nomination au poste, demande cooptée de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour la division des villes de 10 001 à 50 000 habitants. En conséquence, qu'une motion de félicitations unanime de la part du conseil municipal soit adressée à Bruno Isabelle pour sa nomination de la part du conseil municipal. Le point 19, c'est un dépôt d'une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, Madame, Monsieur, le 13 décembre 2023, les représentants du gouvernement et des municipalités ont signé la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité. Ensemble, au service des citoyens, la conclusion de cette déclaration permet l'établissement d'une nouvelle relation prévisible, souple et pérenne. Le gouvernement s'est notamment engagé à effectuer en 2024 un transfert ponctuel d'un montant de 10 millions aux municipalités de 15 000 habitants et moins. À cet effet, un montant de 40 133 sera déposé d'ici le 28 mars 2024 dans le compte de la Ville par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est à titre informatif. Par la suite, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, il y avait une question. Donc, la question, quels sont les montants obtenus par la Corporation des Cœurs Vaillants? Subvention de la Ville, 15 000. Subvention de la MRC, 15 000. Prêt de la Ville, 50 000. Notre demande de subvention était basée sur des projections pour une saison complète d'opérations en rapport avec les chiffres des opérateurs précédents. Ici, on parle de la cantine. Concernant le prêt actuel, la corporation doit une somme de 20 000 $ à la Ville qu'elle doit rembourser d'ici les trois prochaines années. Donc, ensuite, nous passons au point 21, période de questions. Si vous avez une question, bien vouloir venir au micro, vous nommez et ensuite adressez votre question. Dans le respect. Bien, bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'Abbé. Question. OK. C'est assez grave. Serait-il possible, parce qu'on a une heure selon ce que vous disiez, vous octroyez une heure pour poser des questions. À peu près. Vous pouvez l'extensionner, vous en faites de même. Une fois que la question a été posée dans une semaine, un mois, excusez-moi, on est-tu obligé d'avoir la même question qui se répète d'un mois à l'autre? Parce qu'une fois que la question a été posée, le comité de la ville donne une réponse. Je n'aime pas la réponse. Excusez-moi le gros mot, je ne suis pas obligé de fâcher tout le monde parce que je n'aime pas. Vous posez la question de deuxième fois, non? Puis une troisième, une quatrième. Serait-il possible de dire, a été posé une fois, il y a eu une réponse. S'il n'y a pas de réponse, vous devez aller voir des renseignements. Comme vous venez de faire, vous revenez, vous donnez les renseignements qui étaient attitrés. Bien, on est obligé d'avoir deux fois la même question? Bien, je l'ai déjà mentionné selon la Régie interne. Je peux vous lire l'article 16 de réponse de la Régie interne. Le président de l'Assemblée répond à la question. Il peut céder la parole aux membres du conseil visé par la question ou à un fonctionnaire qu'il juge opportun. Le président de l'Assemblée peut refuser de répondre à une question posée. Son refus ne peut être discuté d'aucune façon. Si la question est contraire à l'intérêt public, de fournir les renseignements demandés. Si les renseignements demandés ne peuvent être obtenus qu'à la suite d'un travail considérable ne répondant pas à leur utilité. Si la question a déjà été posée lors de la séance ou d'une séance précédente, ce qui répond à votre question. Si la question porte sur des travaux d'un comité du conseil ou d'une commission d'enquête dont le rapport n'a pas encore été déposé au conseil. Si la question ne porte pas sur l'administration municipale de la ville de Contrecœur. Si la question porte sur une affaire pendante devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire. Tout membre du conseil peut toujours refuser de répondre à une question sans donner de raison ou référer la question à une séance subséquente pour permettre aux officiers municipaux de colliger l'information requise. Je suis d'accord avec vous. Je l'avais lu cette partie-là. Parfait.
La question, c'est que il y en a qui reposent exactement la même question. Le mois passé, il y avait une dame qui était à côté. Il y a eu beaucoup de monde à un point tel qu'on était tout le temps debout. Et elle disait, c'est toujours les mêmes questions qui se posent, qui se reposent, qui se reposent. Et c'est toujours la même réponse que vous donnez, le comité. Je ne parle pas de vous personnellement, le comité. Il y en a même qui disent, je vais vous reposer la même question que tantôt. C'est cette petite partie-là qui m'énerve un peu. C'est qu'on a 5 minutes pour poser une question. Vous avez 5 minutes à répondre. Ça fait 10 minutes sur 60 qu'on pose 6. Mais je comprends votre commentaire. Je le nomme. Des fois aussi, on me pose une question qui n'est pas tout à fait identique. Donc, on joue des fois à quelques mots près. Mais j'en prends note et on va utiliser encore plus cet article-là. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bonsoir, Jean Roux. Bonsoir, M. Roux. Bonsoir, Mme la mairesse, conseiller, conseillère. Bonsoir. Je vais avoir un éclaircissement sur 18.04. L'aide financière de 75 000 qu'on donne à l'Office régional d'habitation. Oui. C'est-tu toutes les villes qui donnent une aide financière à cette... Bien, quand on veut qu'un projet... part, oui, Saint-Amable l'a fait, Varennes l'a fait aussi, puis là, vous avez entendu la nouvelle, là, à Varennes, ça va se faire, à Saint-Amable, il y en a plus un qui va se faire, et quand le projet se concrétise, on peut avoir jusqu'à un remboursement de la communauté métropolitaine de Montréal jusqu'à 90%. Donc, si on est dans ces démarches-là aujourd'hui, en octroyant un montant de 75 000 pour faire des analyses et des études préliminaires pour l'obtention d'un prêt, ça veut dire qu'on est en bonne voie de l'obtenir. Bien, vous êtes-vous renseigné, c'est à peu près tout le même montant que les villes donnent? Oui. OK. Je reviens à la question du citoyen avant moi. Étiez-vous de manigance ensemble préparé avant l'Assemblée pour que tu sois prête de même à répondre à sa question? Je ne serais pas obligée de répondre à la manière que vous posez la question. Non, mais parce que si c'est le même, j'aimerais ça des fois rentrer en contact avec toi puis se préparer avant. Mais là, vous faites une supposition encore. Oui. Vous faites des grosses suppositions c'est une supposition. Excuse-moi. Fait que c'est une question qui est non recevable. Excuse-moi, mais non, je n'ai pas parlé avec monsieur. Puis la régie interne, je l'ai avec moi depuis qu'on l'a adoptée. Elle est soulignée en jaune. Et souvent aussi, je vous énumère des articles où je demande aux gens aussi d'avoir du respect, un appel à l'ordre. Donc oui, je la connais. Mes membres du conseil aussi en font la lecture. Vous frustrez. Excusez-moi, mais... vous faites encore une interprétation sur une émotion que je n'ai pas. OK. Pas grand-chose. Les Mustangs de Contrecoeur, avez-vous eu des nouvelles? Les mêmes que vous. Ils s'en vont? La question? On n'a pas de subvention à donner cette année à eux autres? Il n'y aura pas de subvention à donner aux Mustangs cette année. OK. Il n'y avait pas un contrat avec eux autres qui étaient ici de temps en temps si on donnait des subventions? Ils ont une entente qui est renouvelable, mais ce n'est pas nous qui décident si le club reste ou ne reste pas. On est déçus, on est désolé pour les citoyens qui sont des partisans, qui sont des bénévoles puis qui sont des fans aussi, parce qu'on avait une autre desserte d'activité qui n'est pas juste culturelle, humoristique, mais qui était aussi sportive à offrir à notre population. Il y avait beaucoup de gens que le vendredi soir aimaient bien, ou le dimanche après-midi, ou le samedi, aller voir un match. Puis il y avait des gens qui venaient de l'extérieur aussi bénéficier de nos restaurants ou qui allaient acheter des choses à l'épicerie. Okay. Il y a eu un bridau il n'y a pas longtemps dans le bridau de Contrecoeur. Je te dirais à peu près un mois. D'accord. Ils ont passé un avis d'ébullition de telle adresse à telle adresse. J'ai téléphoné à la ville, comment ça se fait que c'était telle adresse à telle adresse, puis ça venait pas de l'autre bord de la montée de la pierre à aller jusqu'où le réseau qui a un cul-de-sac. S'il y a un bris sur le rang du brûlé, normalement, on devrait avoir un avis d'ébullition, nous autres ici, même après la pierre, parce que c'est sûr que ça serait jusqu'au cul-de-sac. On n'a jamais eu. J'ai appelé à la ville comment ça se fait que c'était d'une adresse à telle adresse. Ils m'ont répondu comme quoi que le bris il était entre ces adresses-là. J'ai essayé d'y expliquer que le réseau là, de l'aqueduc, il y a un cul-de-sac pareil jusqu'au bout. Là. Nous autres, on aurait dû recevoir une ébullition. On n'a jamais reçu.
On a su ça à peu près 5 jours après, nous autres. Mais je prends note de votre interrogation, à savoir pourquoi vous avez pas reçu d'avis d'évolution. Présentement, je peux pas répondre ce soir, donc je vais vous revenir le mois prochain. C'est beau. Merci. Merci. Puis la seule affaire, ils sont en train de boucher les trous dans Montée de la Pierre aujourd'hui, puis hier. Dans Montée de la Pomme d'Or, y a-t-il des demandes qui ont été faites au ministère? Parce que vu qu'on fait beaucoup de détours, vu que notre train est encore fermé, quand on prend Montée de la Pierre, puis tout pour aller au commerce, de Canac, tout ça, là, c'est déplorable comment il y a des trous dans l'asphalte dans Montée de la Pomme d'Or. La Montée de la Pomme d'Or, justement, appartient au MTQ. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont appelé au 511 pour faire une plainte, mais tout citoyen peut appeler au 511. Écrire au 511, c'est aussi efficace que si la ville le fait, parce que ce n'est pas notre route, c'est une route provinciale. Et quand un citoyen appelle, on demande aux citoyens d'appeler et nous aussi, on fait la demande. Que nous autres, un peu. Bien, quand on leur parle, ils nous disent qu'un citoyen et la ville vont avoir la même réponse. Le citoyen est aussi précieux s'il y a un trou de nid de poule sur l'autoroute puis qui est dangereux puis qui peut causer un accident. Mais là, on prend note que vous nous interpellez pour qu'on écrive un courriel demain au ministère. On va écrire un courriel au ministère, mais je vous invite aussi à appeler dans tout temps au 511 ou même sur Internet, vous pouvez enregistrer votre requête. Merci beaucoup pour vos bonnes réponses. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, Robert Bissonnette. Bonsoir, M. Bissonnette. J'aimerais vous poser une question concernant les panneaux sur l'autoroute 30. D'accord. On m'a avisé que ces panneaux-là appartenaient à la ville. Et de cette réponse, j'ai demandé quel département s'occupait de ça. Puis là, j'attends encore la réponse. Bien, je pense que pour le département, on vous a quand même informé que c'était la direction des communications qui s'occupait oui, des panneaux. J'attends la réponse de la question que j'avais posée à quand est-ce qu'on va rafraîchir les panneaux. Et s'il y avait un suivi sur les revenus et les dépenses dessus les panneaux. OK. Donc, je pense que pour le rafraîchissement des panneaux, vous avez eu une réponse également en vous disant que c'est en cours. On travaille sur ce dossier-là et que prochainement, vous allez voir les panneaux ou ce que la campagne avec contre-cœur, touristes avec ou contre-cœur qu'on voit à l'entrée avec les tues. Donc, ça aura changé prochainement. Oui, la deuxième question, est-ce qu'il y a un registre des revenus et dépenses sur ces panneaux-là? Sur, à quel département ça s'adresse? Bien, ça, cette question-là, comme je vous ai écrit, Mme Bissonnette était aussi en CC, s'est envoyée au service de greffe pour la loi à l'accès à l'information. Oui, puis quand est-ce que je vais l'avoir? Bien, dans les délais prescrits. Mais ça fait plus que 30 jours. Bien, moi, ça fait pas 30 jours que je l'ai envoyé. OK, merci. Merci. Bonsoir, Laurie Pagé. Bonsoir, Mme Pagé. Madame la mairesse, mesdames et messieurs, les conseillères et conseillers municipaux, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour le calme dont vous faites preuve jour après jour devant les insinuations, voire les propos diffamatoires, devant les démonstrations répétées de mauvaise foi, voire la campagne de salissage, devant l'acharnement, voire le harcèlement que certains citoyens qui se disent engagés mènent contre vous. J'espère vivement et je vous souhaite de tout cœur que le projet de loi 57 visant à protéger les élus soit adopté le plus urgentement possible par l'Assemblée nationale. Dans le même ordre d'idée, je sais que votre service des loisirs procède actuellement à une révision des politiques de reconnaissance et de soutien des organismes. À titre de présidente d'organisme, je compte bien m'y exprimer lors du processus de consultation qui aura lieu, car je suis très reconnaissante des nombreuses consultations que la Ville met en place sur tous les sujets d'importance qui touchent notre communauté et ne manque jamais d'y participer lorsque je le juge nécessaire, puisqu'il s'agit là de la meilleure façon de faire entendre notre voix. Merci pour ces opportunités d'ailleurs. Néanmoins, je tenais à porter votre attention une situation qui perdure depuis près d'un an, alors que des citoyens, pour ne nommer personne en particulier, parce que ce serait de l'atteinte à la réputation malgré la véracité des propos, donc situation qui implique des citoyens qui s'acharnent également publiquement sur plusieurs organismes de notre communauté dans le but évident de critiquer le travail de l'équipe municipale. Comme je l'ai toujours prôné, le dialogue reste la voie à privilégier, mais il semble que même lorsqu'il est offert clairement, la diffamation et le harcèlement à l'égard d'organismes qui, eux, sont réellement engagés dans leur communauté est privilégié par cette catégorie de citoyens. Ce traitement porte atteinte à la réputation des organismes et affecte leurs activités, en plus de la santé mentale des bénévoles qui les tiennent à bout de bras. Ma question est donc la suivante. Le conseil municipal serait-il favorable à inclure, parmi les formes de soutien aux organismes, un accès à des services juridiques?
Je prends en note votre considération. Merci de votre présence ce soir. Merci de votre question et de tout. Je suis un peu... je vais revenir avec le conseil municipal. On va en discuter. On va aussi voir avec les loisirs qu'est-ce qui peut être fait. On va vous donner un retour assurément. Merci. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Bertillon. C'est assez malaisant de passer après un témoignage de même. J'attends votre... Vous venez poser une question, c'est assez malaisant. J'attends votre question. Monsieur Bissonnette, au début de la soirée, vous avez parlé pour la caserne d'incendie, pour le règlement d'emprunt, puis vous avez mentionné qu'il y aurait des subventions là-dessus. J'ai dit qu'il y a des subventions sur divers projets dans la ville. J'ai dit qu'il faut faire le calcul avec des subventions. Non, mais pour ce qui est du règlement d'emprunt de 13 millions pour la caserne, est-ce qu'il y a des subventions qui sont allouées? Il y a des subventions qui existent et la ville travaille pour obtenir cette subvention-là du PRACIM. OK. Présentement, il n'y a pas de... Présentement, c'est les seules personnes qui peuvent faire des annonces au niveau des programmes gouvernementaux, style gouvernement du provincial. Et puis, normalement, ça marche à pourcentage selon le règlement que vous avez. Mettons, c'est 13 millions, ils peuvent décider de dire ben, 10 % ou 20 %. C'est eux autres qui font leur calcul selon le projet, selon le coût, mais ce n'est pas calculé selon un pourcentage comme ça, là. Non? Non. Ça veut dire que les coûts que vous avez engendrés à date, l'acquisition du terrain, la stabilisation du terrain… Du sol. Mm-hmm. Ça, c'est impossible que ça rentre dans la subvention. Ça va être assumé à 100 % par les citoyens. Écoutez… Parce que cette dépense-là est déjà passée, elle n'est pas dans le règlement d'emprunt. La dépense… Présentement, on travaille fort à obtenir une subvention. Oui, c'est correct. Mais rien contre la caserne, là. C'est une bonne chose que vous faites une nouvelle caserne. Les pompiers, ils font un excellent service. C'est juste savoir s'il y a une subvention pour ça. Ça veut dire que… Juste les coûts qui ont été dépensés l'année passée pour la stabilisation des sols, ça ne peut pas rentrer là-dedans. Ça va être assumé à 100 % par les citoyens. Mais c'est pas comme ça qu'on le calcule. C'est un montant global de règlement d'emprunt, puis tout ça, c'est compris aussi, ces montants-là, dans le règlement d'emprunt. Puis quand on vient avec une subvention, si le gouvernement octroie une subvention à la ville de Contrecœur dans le programme PRACIM, bien là, après ça, il y a un montant qui est calculé selon l'investissement, selon qu'est-ce qui est fait. Mais c'est pas moi qui gère non plus le programme. Je suis pas non plus fonctionnaire au gouvernement provincial. C'est pas moi qui établis les critères non plus. Donc, on espère, on travaille fort pour en obtenir une. OK. Merci. Merci beaucoup, M. Bertillon. Bonsoir, Catherine Brissette, ça va bien? Bonsoir, Mme Brissette. Bonsoir. Demeurant aussi dans le rang du brûlé, oui, on a eu l'histoire de l'eau. J'ai posé plusieurs fois aux travaux publics pourquoi que notre système d'eau n'est plus en fonction en étant en continu. Et on me répond toujours, ben non, Madame Brissette, il arrête chez vous. Avant, l'eau était toujours, on ouvrait la valve au bout qui se déversait au niveau du fossé de la 30, soit pour vous situer au bout complètement du dernier résident. On l'ouvrait un petit peu, ce qui faisait en sorte qu'on avait une circulation. Maintenant, les villes doivent se conformer lors des installations, de mettre une boîte de retour qu'on appelle, bien évidemment, une petite boîte verte. Là. Fait que l'eau circule toujours. Nous, ce qu'on vit en ce moment, c'est que notre linge est jaune, notre eau est sale. On a dû appeler à plusieurs reprises des travaux publics pour demander des purges. On a fait 3 séances de purges totales sur 3 semaines avant que l'eau redevienne claire. Parce que notre eau dans notre verre, on me disait, Madame Brissette, c'est de l'air quand c'est transparent. Oui, mais 48 heures plus tard, qui fait des sédiments dans un verre, ce n'est plus de l'air. Je sais que dans les travaux à venir l'année prochaine, il y aurait potentiellement le rang. Je pense que ça serait bien d'y envisager parce que le next level, ça va être la santé publique, malheureusement. On a demandé des tests de notre côté. La plupart des tests ne sont revenus pas positifs. Après ça, on a eu des purges suite à la divulgation des tests aux travaux publics. Et par la suite, l'eau est redevenue, consommable. Nous, on vit un calvaire. Puis je pense que c'est important qu'aujourd'hui, vous soyez au courant parce que les travaux publics nous répondent toujours « Non, Mme Brissette, le réseau a toujours fonctionné en non-continu. » Mais avant, on était en continu. On est quand même 10 citoyens sur 1,5 km à une place. Puis c'est nous autres qui ramassons tout le reste du réseau. La question?
La question est, est-ce qu'on peut nous revenir avec une réponse claire? Parce que les travaux publics, ça fait 5 fois qu'on les appelle et ils nous disent tout le temps, non, il était fermé le réseau, mais non, il était toujours ouvert. Mais ce soir, le conseil municipal entend votre situation. On n'était pas au courant de ça, donc on va aller vraiment cueillir d'informations, oui. Aller chercher toutes les choses et on reviendra le mois prochain à la période de réponse aux Parfait. Citoyens des questions. Ma deuxième question est concernant le groupe... Je ne sais pas le nom. Là. Le groupe qui exerce les vélos au niveau des jeunes, les compétitions. Les dynamiques. Exactement. Oui. On m'a avisé que il y aurait une séance ce week-end, si je ne me trompe pas. Par contre, les citoyens, on n'est pas avisés. Je l'ai su par des oui-dire au centre d'achat de Contrecœur, bien oui, j'ai. Et j'ai fait comme, OK, c'est parce que nous autres, on en reçoit toute notre famille. La moitié des cultivateurs vont rentrer dans leur champ. Et là, on nous avise, on n'est même pas au courant que le rang va fermer. Habituellement, il y avait tout le temps un avis qui était envoyé à tous les citoyens. On prend ça en note. On va ça vérifier. Fait 2 ans qu'on n'est pas avisé. Là, il n'y en a pas eu l'année passée. Pas l'année passée, excusez. L'autre d'avant. On va vérifier, mais on avait. On avait appelé aussi pour se plaindre. OK. Puis. Parce qu'habituellement, on passe, puis on sécurise aussi oui, avec la sécurise, police. Puis il y a du transport avisé, qui vont on pas avisé. Porter les gens. Oui, mais nous, on n'est pas avisé. Dans doit... votre partie. Exactement. OK, pas dans... C'est comme okay. si Contrecœur arrêtait dans le fond, c'est juste votre section, là. Oui, exactement. OK, parce que c'est ça, dans l'autre section, oui, je me rappelle que les autres fois, ça avait tout le temps été distribué, oui. là. Fait que c'est beau, on prend ça en note, puis on... Est-ce qu'on peut mettre on va vous des envoyer toilettes chimiques une... supplémentaires, parce que c'est pas agréable. Donc, voir sur... des petits coups de poulet apparaître sur notre terrain. Sur le coin Lapierre et... Lapierre en Dubrulin. Parce que les assainissements sanitaires, habituellement, sont mis au point de départ. Il n'y en a pas sur le chemin. Alors, okay. souvent, les gens arrêtent lorsque moins de citoyens et font ce qu'ils ont à faire. D'accord. On aimerait en avoir plus. Et ça serait bien que les travaux publics ou l'organisation ramassent leurs déchets qui sont jetés dans les fossés par la suite parce que c'est pour les citoyens à ramasser. Donc, on prend ça en note. On va aussi parler avec le Club des Dynamiques aussi. Là. Il y a des petits des échanges à faire aussi. Puis, eux autres aussi, ils ont à aviser leurs cyclistes également. Donc, on vérifie pour la possibilité d'ajouter des toilettes chimiques à cet endroit. Merci, j'apprécie. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, René Laprade. Bonsoir, Monsieur Laprade. Messieurs les conseillers. Bonsoir. J'ai entendu tout à l'heure votre réponse à ma question du mois dernier concernant la Corporation des cœurs vaillants. Je pense que je n'ai pas été assez clair dans mes intentions, en tout cas du moins sur ma question. Là. Pourtant, j'avais parlé avec M. Bellil, puis j'ai même envoyé le programme en lui disant qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans, mais vous ne répondez pas à ça du tout. Je vais me faire un petit peu plus clair. La demande de subvention que la Ville a présentée pour la Corporation des cœurs vaillants parle d'une mise de fonds de 203 000 $, parle d'un fonds de roulement de 155 000 $, d'un inventaire de départ de 103 000 $. On ne voit pas ça nulle part dans les états financiers de la Corporation des cœurs vaillants. Donc, ces informations-là sont fausses. Écoutez, moi, je vous ai répondu. Qu'est-ce que je vous ai répondu? Là, on a demandé à notre direction générale, on m'a demandé de vous répondre, donc je n'ai plus rien d'autre à répondre sur ce sujet-là. On a répondu assez souvent dans le passé. Donc, je vous dis qu'il y a eu de l'information erronée qui a été fournie par la Ville pour obtenir une subvention, puis ça ne vous dérange pas? C'est des projections. On vous l'a dit. Quand on fait des demandes, on fait affaire avec des projections. La demande, ce n'est pas une projection. Le programme est clair. Vous avez une copie, M. Bellil? Je ne sais pas si vous avez pris le temps de la lire. Oui. Et même au niveau des qualifications pour ce programme-là, Corporation des cœurs vaillants ne qualifiait pas. Alors, je vous laisse c'est votre jugement. La subvention est donnée, l'organisme commence à fonctionner. On est tous contents d'avoir un service à cet endroit aussi dans le parc. Donc, on comprend vos doléances. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la Ville devait être un modèle quand on demande. Si les citoyens se mettent à faire des fausses demandes pour obtenir des subventions de la Ville, il va y avoir des problèmes. Écoutez, là, c'est votre regard en camp, puis ça, c'est encore une interprétation. Donc, c'est pas une interprétation, madame, c'est pas un jugement que vous avez, donc c'est une interprétation personnelle. Simplement, je voulais clarifier, autrement dit, vous ne voulez pas répondre à ma question. On a répondu depuis plusieurs mois à cette même question sur la corporation. Merci. Vous faites souvent allusion dire qu'on est chanceux à Contrecœur parce que vous publiez les comptes à payer.
Vous avez l'air à nous faire une faveur quand vous nous dites ça. Vous êtes chanceux à contre-cœur. Parce que vous revenez souvent sur les comptes à payer qui sont publiés. La liste des comptes à payer. Ah, oh, OK. Mais c'est... Vous nous le dites souvent, là. Ça, je vous ai répondu aussi. C'est plusieurs fois que je réponds sur cette question-là. Fait que je ne répondrai plus sur cette question-là. Ce que je veux vous dire, Madame la mairesse, c'est que c'est un droit légal. Les documents, comme ça, c'est des documents publics. Passer par l'accès à l'information, oui, mais il n'y a aucune loi qui dit au conseil municipal non. doit déposer. Bon, on pourrait le demander. Non, mais on peut le demander à tous les mois. Et vous pouvez le déposer à tous les mois. C'est ça que j'ai expliqué. De toutes les autres fois, vous pouvez passer par la loi. L'accès à l'information, c'est votre droit. Mais la ville n'est pas obligée, n'est pas régie. Aucune loi qui lui dit de déposer une liste des comptes à payer. Et nous, on le fait pour le bien, la transparence et le grand bénéfice des citoyens. Beaucoup d'ouvrages à la greffière, parce que tous les mois, comme je le faisais, je demandais, à un moment donné, vous êtes tanné, vous l'avez publié. Écoutez, encore là, ça, c'est votre interprétation. C'est pas, vous n'êtes pas juste le seul à l'avoir demandé, la liste des comptes à payer, fait qu'on ne mettra pas ça juste sur une personne. Bon, OK. On parle d'accès à l'information. Le 11 janvier, j'ai envoyé un courriel au directeur général avec copie à mon conseiller municipal, M. Bellin. Parce que, suite à une demande d'accès à l'information, j'ai eu des commentaires bizarres. Fait que j'ai demandé au directeur général pour le rencontrer. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai dit à mon conseiller, j'aimerais ça rencontrer le directeur général, puis j'aimerais ça que tu sois présent. Il dit, on va en parler au conseil. J'ai jamais eu d'autres réponses depuis ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez eu des réponses, des nouvelles de votre côté. Moi, j'en ai eu une aujourd'hui. Ça dit, c'est adressé à Mme la greffière. Le 21 mars 2024, Maître Jean-Sébastien Desmeules, le secrétaire général de la Commission, vous écrivez avec « Afin que votre organisation nous fasse parvenir la réponse à la demande formulée par la partie demanderesse. » Ça, c'est moi. Cette correspondance est elle-même demeurée sans réponse. Là, maintenant, c'est le bureau de la présidence qui écrit à la greffière. Répondez à M. Laprade. Quand vous dites, là, vous l'avez pensé, vous allez le recevoir bientôt, on est dans les délais, là? Non. J'ai plein de demandes que je n'ai pas eu de réponse. Écoutez, alors, moi, je ne suis pas au courant. Là, je vous mets au courant de la situation. Oui, parce que là, vous m'avisez. C'est important, là, parce que on me semble non plus pas c'est quand au courant même ici. La réputation de la ville qui est en jeu, puis vous êtes mais les, je vais attendre. Je vais attendre de lire la correspondance d'accord. avant de faire une interprétation, okay. là. Il n'y a pas d'interprétation à faire, c'est mais clair. Je veux dire, on n'a pas de correspondance ici. On me dit qu'ils n'ont rien reçu, fait qu'on n'a pas été, on n'a rien présentement. Je vous dis que ça ne vaut pas rondement au niveau de l'accès à l'information à contre-cœur. Bien, je n'ai pas rien, d'accord. moi, pour l'instant, pour me dire ça. Bien, là, je vous le dis. Bien, ça, c'est vous. C'est un citoyen. Est-ce qu'il y a une copie okay. conforme qui est remise à la ville dans votre correspondance? Est-ce qu'il y a une copie conforme? C'est adressé à Mme Donc, c'est une, vous avez la. Ah, oui, c'est ça. C'est, ici, on l'a pas reçu, c'est ça, j'explique. Ici, on n'a rien reçu. En tout cas, parce que j'ai 6 dossiers actuellement. 2 qui passent en audience au mois de juillet. Je vais vous parler tantôt, M. Bélan, par rapport à ça. M. Bérard. De toute façon, on va faire des vérifications, là. Comme toujours, on fait des vérifications. Maintenant. Un autre... vous parliez tantôt, quelqu'un parlait des Mostan. J'ai fait une demande pour avoir... Quand vous avez dit, on a une entente avec les Mostan. J'ai fait des demandes pour avoir les ententes, j'ai dit, je vais... Comme je vous dis, l'accès à l'information, c'est confidentiel. Ouais. Moi, je n'ai pas accès à qui pose des questions. Donc, j'aimerais avoir des explications pourquoi que ça bloque. Je pense que, comme citoyen, j'ai le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. On va vérifier merci. Le tout. Merci. Au mois de mars, j'avais posé des questions concernant le PDCN. Vous m'aviez parlé que la ville pensait à une fiducie. Est-ce que ça continue à avancer, ce projet-là? On a parlé que dans le reportage, oui, parler de fiducie ou de corporation, ou que c'était un projet pilote, puis qu'on regardait plein d'alternatives. C'est ça qu'on a parlé. Vous n'êtes pas en train d'approfondir quelque chose concernant les fiducies? Présentement, on est dans un projet pilote. On a des locations de baux. Puis comme que je vous ai déjà dit, puis vous m'avez demandé, on travaille pour un parc d'agricole au niveau métropolitain. Fait que présentement, on est là-dedans. OK, parfait. Moi, parce que je sais que j'en avais parlé, puis M. Danseau m'avait dit, bien, si ça vous intéresse, regardez ça. Là. J'ai regardé pour une coopérative. J'avais un projet à proposer dans le cadre du PDCN. À qui je dois m'adresser pour ça? Parce que moi, c'est quelque chose de machin avec l'ITAC.
probablement le ministère de l'Éducation. Dans le fond, ça serait participer à la relève agricole du Québec. On pourrait partir d'un projet contre-agraire sous forme de coopérative. Mais c'est ça. C'est bien. Puis vous direz donner votre nom au directeur général, puis ensuite on fera, on mettra en communication. Je ne réponds jamais au directeur général, je n'ose pas y écrire parce que je n'ai jamais d'accord. Jamais. Écoutez, là, on s'en va dans des propos. On s'en va dans des propos un petit peu qu'on fait une atteinte à une personne. Mais là. Non, mais je peux vous en fait que vous nous donnerez. Vous croyez jamais quand je dis quelque chose. Vous nous donnerez votre numéro de téléphone. Puis ensuite, on fera un suivi. Avec le directeur général va faire appeler la personne qui fait les suivis sur ce dossier-là. OK. Est-ce que je peux savoir son nom? Oui, c'est M. Nicolas Dévy. Ah, d'accord. Lui, il m'a déjà parlé, par exemple. Est-ce qu'il y a une autre question, M. Oui. Laprade? Je ne suis pas là pour faire le procès de tous mes employés. Le mois passé, vous aviez parlé au point 18.1 concernant la représentation, développer les connaissances. Je suis désolée, on est rendu à 6 minutes, donc je vais laisser une autre personne passer. Bonjour, Madame la mairesse. Bonsoir, Madame Guy Murteau. Bonsoir, Madame Murteau. Moi, je suis d'habitude, je vous écoute via Internet pour m'occuper de mes enfants. Mais j'ai pu constater, surtout dans les derniers mois, qu'il y avait des citoyens qui avaient très à cœur la ville ici. Puis je suis parmi celles-là, parce qu'on s'entend que tout ce qui vient de la ville vient de ses citoyens. J'ai déjà une question qui avait été répondue, mais je voulais savoir. Là, j'ai vu, j'étais pas la seule. Ce soir, avec ce genre de commentaires, je voulais savoir si, par rapport aux questions redondantes, si vous aviez déjà fait l'exercice de comptabiliser les heures avec les taux horaires des employés qui sont impliqués dans la recherche d'informations. Parce qu'on s'entend, le temps, c'est de l'argent. On a tous des gens à payer. Puis, je pense qu'avoir un montant de ce que coûte répondre aux informations pourrait avoir un impact peut-être sur le raisonnement des gens qui m'ont posé des questions. Parce que personnellement, j'écoute les séances, puis beaucoup des questions, je pourrais moi-même y répondre juste en allant chercher l'information auprès des gens directement impliqués. Fait que je voulais savoir, est-ce que cet exercice-là avait déjà été fait? L'exercice, de comptabiliser les heures investies dans la recherche d'informations. On n'a aucun document avec un nombre d'heures colligé. OK, puis ça, c'est-tu éventuellement réalisable? Bien, je vais laisser répondre le directeur général parce que ça, on parle vraiment de ressources humaines, de comptabilisation, donc d'opération. Comment je dirais, merci pour votre question. Ça nous est passé par la tête de comptabiliser ce genre de choses-là qu'on a fait à très haut niveau parce qu'on ne voulait pas passer de plus de temps là-dessus non plus, mais ça peut donner le vertige quand on s'y attarde. Bien, c'est ça, je vous vois répondre aux mêmes choses. Je ne veux pas, c'est du temps. Beaucoup vous investissez dans ces choses-là. D'ailleurs, merci pour votre beau travail. Merci beaucoup, Mme Murteau. Robert Bissonnette. Bonsoir, Monsieur Bissonnette. Bonsoir. J'aimerais soulever le problème, moi, des fameux top-terre. J'ai essayé d'en discuter aujourd'hui avec certains conseillers et j'ai envoyé une demande qui faisait ensemble que les totes-terres, ça fait pas mal de temps qu'ils sont là. Il y a des exigences qui devraient être brillées. Il y a des exigences qui devraient récolter les eaux d'écoulement avec des rapports de libération. Et aussi, ces totes-terres-là, il faut aussi les mêmes fossés, sont en amont avec les eaux d'écoulement de l'usine ArcelorMittal. Souvent, on se ramasse avec de l'eau rouillée, dont je peux donner la preuve parce que c'est des bateaux, puis je ramasse beaucoup de rouille, et de l'eau de surface qui n'est pas refroidie avant d'être rejetée. Je me demande, on me répond aujourd'hui que je pouvais faire l'affaire avec le gouvernement, l'environnement. Mais je crois qu'ici, on a encore un département d'environnement qui pourrait peut-être nous aviser qu'il y a des recours de fait à ce sujet. Donc, votre question? La question, est-ce qu'on pourrait demander à notre département d'environnement de s'occuper de cette problématique?
Donc, moi, je me rappelle que je vous ai répondu à pratiquement chaque année à cette question-là. Ça fait des années que vous me posez cette question-là. Ça fait des années aussi que je vois que vous posez des fois cette question-là à différents conseillers. Là, aujourd'hui, c'est filmé. Aujourd'hui, je vous réponds, mais j'aurais pu utiliser l'article. Mais là, je me disais que je vais informer toute la population pour que la population soit rassurée également. Donc, je vais vous lire la réponse bien écrite et je ne répondrai plus à cette question-là par la suite. Donc, Nortex est une entreprise spécialisée dans le traitement des sols contaminés et opère à contre-cœur depuis 2004. Au fil du temps, ils ont également développé une expertise dans les études environnementales, en particulier avec une spécialisation dans les projets menant à la restauration des sols. Le traitement des sols entrant chez Nortex vise la décontamination des 10 sols, en particulier pour ce qui est des métaux. Entre autres, ils possèdent un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour leur procédé de traitement des métaux. D'autres entreprises spécialisées peuvent traiter les hydrocarbures dans les sols et c'est un domaine que Nortex ne vise pas d'intégrer dans ses procédés. Il n'accepte donc pas les sols provenant de pétrolières ou d'autres entreprises pouvant contaminer les sols d'hydrocarbures. Leur objectif d'affaires est le traitement des sols, mais aussi la revente des métaux identifiés comme contaminants des sols à la remise en marché des sols traités sous forme de terreau. Afin d'établir leur entreprise, le site a initialement été construit sur une plateforme en pierre scellée et imperméable d'environ 2 mètres d'épaisseur. Cette plateforme et les conduites d'eau usée qui ont été installées sont garantes d'éviter la contamination hors site lors de l'écoulement, d'éviter la contamination entre les différents intrants disposés sur le site et d'acheminer les eaux du site vers un réservoir et un système de traitement aménagé sous l'usine. Ces eaux sont ensuite traitées et réutilisées dans le processus de décontamination des sols. Les sols, bien que contaminés, surtout par des particules de calibre variable de béton, de briques, d'asphalte, de bois, de charbon, etc., sont à la base des ressources naturelles non renouvelables. La technologie brevetée de Nortex permet de remettre sur le marché des matériaux après traitement comparés au passif environnemental laissé par les sites d'enfouissement. Dans un contexte de développement durable et de réduction de l'usage des polythènes, Nortex a fait une demande de modification de son autorisation ministérielle auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour remplacer l'usage des toiles par une couverture végétale. Les représentants de Nortex nous assurent que leur procédé est contrôlé quant à son impact sur l'environnement. Ils sont en lien avec le ministère de par leur certificat d'autorisation. Des firmes externes sont retenues pour faire des caractérisations. Elles s'effectuent environ 4 fois par année sur le sol du site. Les échantillons sont testés et la qualité de la terre respecte les normes de concentration acceptables pour les zones résidentielles. Ce n'est pas une compétence municipale. La ville et ses employés ont des compétences qu'elles doivent effectuer, des travaux et des choses, et non, nos inspecteurs ne feront pas la job des fonctionnaires provinciaux. C'est signé par qui, Mme la maire? Signé par qui? C'est signé? C'est signé. La lettre que vous lisez. Je vous réponds avec l'ensemble des informations colligées sur ce dossier-là. Mais vous avez écrit ça vous-même, là. On a colligé l'information avec les informations qu'on a de notre directeur de l'urbanisme et des gens ici de la direction générale et de Nortex et de l'environnement. Votre directeur, bien, vous me dites là que c'est votre directeur de l'urbanisme qui a vous a aidé à compléter cette Je vous dis qu'on a complété cette réponse-là par des connaissances, par une question qu'on est allé vérifier. C'est une réponse professionnelle. Donc, je n'ai plus rien d'autre à dire sur ce sujet-là, puis j'espère que mes conseillers aussi, ça va être la même chose pour eux, parce que tout le monde vous a répondu de nombreuses années sur ça. Sur la deuxième question, à Salar Mittal, est-ce que vous avez une même lettre? Sur Alexar Mittal, il faut comprendre que ce dossier est du ressort du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique de la faune. Arcelor Mittal est régi par la réglementation aussi gouvernementale, provinciale. On a déjà reconnu que c'était un endroit qui était très polluant par rapport au l'écoulement de l'eau chaude.
C'est encore le ministère de l'Environnement au niveau provincial. C'est pas la ville qui fait ces examens-là. Tout citoyen qui détecte quelque chose d'anormal doit appeler au ministère. Vous pouvez même appeler aussi votre député de la circonscription parce que c'est une compétence provinciale. La ville, si quelqu'un nous interpelle, nous, après ça, ici, on reçoit une plainte écrite, on va aussi la transmettre à l'Environnement. Mais c'est pas nos inspecteurs qui font ce travail-là, ce n'est pas notre compétence. Est-ce que je pourrais prendre une copie de votre lettre, Mme la mairesse? Une copie de ma lettre? On fera un imprimé de ces réponses-là. S'il vous plaît. C'est l'essentiel des questions, des réponses. Mais vous allez leur avoir aussi. Non, je n'ai pas eu connaissance de cette lettre-là. Ce n'est pas une lettre, c'est de l'information colligée. C'est de l'information colligée. C'est pas une lettre. Est-ce que je peux en prendre connaissance? On va vous envoyer une réponse par courriel. S'il vous plaît. Avec qu'est-ce que je viens de vous lire. Merci. Merci. Rebonsoir. Rebonsoir, M. Roux. Je veux juste avoir une petite correction sur la citoyenne qui a passé, qui est venue parler de l'eau dans le brûlé de Contrecœur. D'accord. Que je ne sais pas si j'ai mal entendu, là, mais vous dites que vous n'étiez pas au courant du problème d'eau qu'on avait dans le brûlé de Contrecœur. J'ai ramené ça deux fois, le problème d'eau. Puis même le directeur général m'a déjà appelé sur ce cas-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je ne sais pas exactement où vous habitez par rapport à madame. Mais je parlais du cas spécifique à cause que de madame. L'eau nous amenait du calcaire et tout ça. Mais je parlais du cas spécifique de madame, puis que à ce que j'avais compris, c'est que les choses avaient été réparées. Donc là, je n'étais pas au courant qu'il y avait encore des problématiques. Non, ça n'a jamais été réparé. Il n'y a jamais eu de réparation sur notre eau qui vient dans nos robinets, nous autres. Nous autres, là, comme qu'elle dit, là, ils ont beau filtrer l'eau ou quelque chose, des fois, l'eau, elle reste jaune longtemps. Il y a du calcaire dans les salles, dans les toilettes. Ça se peut pas comment ça se fait que notre bout de rein, on a la cochonnerie de tout le monde, là. Mais je vais demander des réponses ce mois-ci pour vous répondre à la prochaine séance ordinaire. Oui, parce que moi, j'avais demandé qu'ils viennent, à tout un certain temps, purger la veine au bout. Mmh. Tu sais, même si la loi dit une fois par année que j'ai su, là, ça ne dérange rien qu'ils viennent au 3 mois, au 6 mois, au moins le purger, pour que notre eau soit potable toujours. Mais laissez-moi t'en faire une cueillette d'informations, colliger les informations, puis je vais vous revenir le mois prochain. Présentement, je n'étais pas au courant de la situation spécifique de madame, qu'est-ce qu'elle vivait. Puis là, tu sais, des fois, on voit les avis de bris, puis que là, c'est réglé, puis que l'eau est potable, renouveau, tu sais, que là, c'est fini. Mais là, je ne savais pas la problématique juste sur votre tronçon de, je sais, c'est en direction du viaduc pour aller à Verchères, je vois très bien là, la séquence de maisons. Les 10-12 résidents. Exactement. Donc, je veux vraiment me renseigner spécifiquement sur votre dossier pour vraiment bien comprendre la situation. Juste une précision. Quand vous dites la cochonnerie de tout le monde, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez l'impression... L'eau est souvent jaune. Oui, mais pourquoi vous dites les cochonneries de tout le monde, de toutes les autres, comme si... Les non, parce qu'ils disent qu'ils purent juste, comme un exemple, du relais 117 à aller à monter la pierre. Il purge ça. Et puis, il dit de faire l'ébullition de l'eau juste là. Pas nous autres, sur notre bord. Mais la cochonnerie qui part de l'autre bout, elle vient chez nous aussi, là. Puis nous autres, ils ne nous le disent pas quand il y a une ébullition d'eau, là. On va dire que votre coin soit aussi purgé comme les autres coins purgés, mais c'est pas la cochonnerie des autres. S'il purge au bout, il purge tout le monde. Mais nous autres, on veut juste que la ville soit au courant quand il y a une ébullition d'eau dans le rang entre la pomme d'or, on peut monter la pierre, que nous autres aussi, de la pierre au viaduc, qu'on l'aille. Oui, on l'a pris en note, ça. Oui. Puis je vais prendre les informations, puis je vous reviens le mois prochain avec la réponse ici, devant le public. Merci, M. Roux. Rebonsoir. C'est juste, le mois passé, point 18.1, il y avait un point, c'était représentation, développer les connaissances sur le Saint-Laurent, etc. J'ai écouté ça attentivement, puis j'essaie de comprendre c'était quoi au juste. Est-ce que c'est tout simplement un appui pour qu'il y ait la création d'une chaire de recherche, un appui du conseil municipal? C'est quoi? J'essayais de comprendre l'essence là, de...
Ça, vous avez parlé, là... Donc, la ville de Contrecoeur, parce qu'il y a le congrès de l'Alliance des fleuves et du Saint-Laurent et des Grands Lacs, d'autres grandes villes comme Montréal, Québec, ont fait des demandes spécifiques de résolution avec l'appui des villes par la suite au niveau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. Donc, la ville de Contrecoeur fait une résolution pour demander aux villes des fleuves Saint-Laurent et des Grands Lacs, par le biais de l'Alliance des fleuves, d'appuyer notre résolution afin de demander une chaire d'études pour se pencher sur les différents tronçons du fleuve Saint-Laurent, pas juste le nôtre, l'estuaire aussi, puis le fluvial, mais également celui du golfe. OK. Donc, vous initiez, ce que je comprends, la ville de Contrecoeur initie une demande pour la création d'une chaire de recherche. Puis exactement. Demande aux autres conseils municipaux du Saint-Laurent de faire la même chose. Exactement. Ah, OK. C'est clair. Bon, merci. Merci. Bonne soirée. Donc, je passe au point 22, parole aux membres du conseil. Monsieur Bérard? Merci de votre présence. Merci également à ceux qui vont nous écouter en différé. Dimanche, le 12 mai, c'est la fête des mères. Qu'on soit un bébé, un enfant, un adolescent ou un adulte, le cœur d'une mère est toujours là pour nous guider. Pensez à elle, qu'elle soit décédée ou vivante. Amenez-y des fleurs, puis dites-lui que vous l'aimez. C'est très important également. Samedi, le 4 mai, il y a eu le nettoyage des berges. Il y a 75 personnes qui ont participé au nettoyage des berges. Puis même, on a remarqué, à des places, les gens jettent leurs débris. Essayez donc d'aller à l'éco-centre, ce qui n'est pas loin. Ils ont jeté ça dans le stationnement du Gueuleton. Je pense que c'est un kilomètre de plus, puis vous allez aller à l'éco-centre. La sécurité routière, c'est très important. Le beau temps revient. Faites attention aux enfants, aux feux de circulation, aux stops également. Il y a certains méfaits qui se passent également dans la ville, soit sur les voitures ou sur les maisons, les résidences. Des fois, de bouche à oreille, là, c'est important, on va le dire. Si ça arriverait à leurs parents, les coûts de ça, ça a un coût rattaché à ça. Sur ça, je vous souhaite un bon mois de mai, puis on se revoit au mois de juin. Monsieur Roy? Oui, j'ai participé justement au nettoyage des berges. J'ai été sur une île, c'est ma troisième année que j'y vais. Puis, c'est assez impressionnant le microplastique qu'on retrouve. On comprend que ce qu'on retrouve ici, ça vient de plus haut, mais ce que nous, on va donner à l'environnement va se retrouver plus bas. C'est vraiment d'être conscient aussi de tout le petit plastique là, qui peut partir au vent. En tout cas, là, c'est juste un petit morceau, mon bac est ouvert, ça a parti. C'est pas grave, tiens, c'est pas grave, ça s'en va, mais ça se ramasse beaucoup dans l'environnement, puis c'est ça qui est difficile à ramasser. T'sais. On ramasse des gros morceaux, on est fiers, on est beau, mais la contamination dans l'environnement est vraiment importante. Puis une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est beaucoup de cartouches de fusil. Petit message peut-être aux chasseurs, peut-être si vous êtes capable de ramasser vos cartouches, ça ferait déjà une petite chose de moins. On sait qu'il y a beaucoup de chasseurs ici, fait que ça c'est un impact directement là, qu'on a ici dans notre ville. Monsieur Bélier? Ben moi je veux souhaiter bonne fête des mères à mon épouse, à ma mère qui est à résidence, puis à toutes les mères de la ville de Contrecoeur. Merci Monsieur Bélier. Madame Messier? Rien de particulier. Madame Bissonnette? Bien, moi, en fin de semaine, j'étais malade, donc je n'ai pas accompagné mes collègues aux berges, mais dimanche, je me sentais assez bien pour aller voir Starmania. Et je veux féliciter tout le monde pardon, qui a participé, les bénévoles, les artistes. C'était vraiment un très beau spectacle, donc je veux le souligner. Je voudrais aussi dire que Culture C s'apprête à sortir sa programmation pour les prochains mois. Il y a entre autres les 5 à 7 micros qui sont très appréciés, je crois, qui vont reprendre. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est à la Maison Noblet-Duplessis. Donc, surveillez la programmation. Et je voudrais faire un bref retour sur ce que Mme Pagé et Mme Hurteau ont dit. Moi, quand que je me suis présentée aux élections, j'avais une idée un peu de ce qui m'attendait, puis je me sentais avec la carapace assez solide, mais il y a des gens qui l'ont peut-être pas. Puis ça veut pas dire que c'est des moins bonnes personnes, ça veut pas dire que c'est des personnes faibles ou quoi que ce soit. Puis là-dedans, il y a nos employés aussi. On parlait de comptabiliser les heures pour répondre à des questions, mais moi, ce qui m'inquiète vraiment particulièrement, c'est la santé mentale, psychologique de nos employés. Puis je veux juste souligner que je pense que nos employés font vraiment un très bon travail, je veux le dire publiquement. Ils ont ma confiance, puis je suis vraiment désolée pour ce qui est vécu par toi, Laurie. Vraiment, là, puis je suis contente de t'avoir entendu ce soir. Merci. Monsieur Dansereau?
Oui, je comprends ce que Pierre-Olivier disait quand il disait qu'on est fier de ramasser des... On a ramassé un container de déchets, mais j'ai hâte... J'espère qu'un jour, on ne ramassera plus de plastique, on ne ramassera plus de pneus, on ne ramassera plus de barils, parce que ça fait pas de sens. Des fois, on se demande ce qu'on peut faire, mais ça, c'est le minimum de prendre soin de notre environnement immédiat. Alors, évidemment, bonne fête des mères aussi, à la mienne qui est toujours en vie. C'est super. Et on y pense, hein, n'est-ce pas, chaque jour même. Juste une petite rectification par rapport aux résolutions du CCU. Tantôt, j'ai l'impression d'avoir nommé trois fois 021-24, alors que pour le 11.3, c'était la résolution. Ça s'appuyait sur la résolution du CCU 031-24. Et pour la partie 11.4, ça s'appuie sur la résolution du CCU 032-24, et non pas 021 pour les trois. Donc, c'est trois résolutions du CCU différentes. Donc, c'est tout. Merci. Au mois prochain. Merci, M. Danseau. Donc, en fin de semaine, je vous invite tous à participer à la marche de la famille. Le point de départ est au parc Antoine Picodi. Juste à suivre la page de la ville de Contrecœur, vous aurez toutes les informations. C'est toujours un beau rassemblement. Cette année, la thématique, c'est sur les pirates. Je veux revenir aussi sur la sécurité et le vandalisme. J'ai plusieurs citoyens qui m'ont écrit, qui m'ont parlé. D'ailleurs, j'ai donné aussi une entrevue aujourd'hui à un journaliste de CJSO. Et je voulais en même temps rassurer la population qu'on sait qu'il se passe des choses sur la voie ferrée. La police du CN est avisée, mais la police du CN doit voir ces jeunes-là, mais c'est interdit. L'autre jour, j'ai pris une marche, j'ai vu un petit bonhomme de 4-5 ans marcher sur la voie ferrée. Je ne comprenais pas non plus comment qu'un parent pouvait laisser son enfant. J'ai une maison qui a perdu une jambe sur une voie ferrée quand il était jeune. À l'époque, on était dans les années 50-60, donc c'était pas la même sécurité. Les jeunes traversaient la voie ferrée pour aller à l'école. Donc ça m'inquiète réellement, s'il vous plaît. Nos enfants sont précieux. Perdre une jambe, un bras, ça peut être dommageable pour le reste de la vie. Donc nos adolescents qui se baladent aussi sur la voie ferrée pour faire des méfaits, c'est dangereux pour eux, premièrement, mais en même temps, ça nuit à la qualité de vie de nos citoyens. Et nos citoyens, s'ils ont peur de dormir parce qu'ils ont peur que leur maison, leur revêtement, parce qu'il y a des gens aussi, c'est leur revêtement, c'est pas juste leur voiture. Donc, ça m'inquiète, je le signale. Et on en a parlé aussi à la régie de police. C'est important, je dois vous le répéter et on le répète. Le directeur de police aussi veut que je vous le répète. Chaque fois qu'arrive un méfait, vous devez faire un rapport d'événement. Vous devez appeler à la police. C'est pas en le marquant sur les réseaux sociaux que la police va pouvoir savoir si c'est fini ou c'est pas fini ou comment localiser les jeunes, comment ils se déplacent. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin qu'à chaque fois que vous êtes témoin d'un événement, que vous appelez à la police. Comme ça, on va travailler tout le monde ensemble, la police UTN, la police, notre régie de police et également notre équipe de sécurité. Donc, on a maintenant, on engage une agence de sécurité depuis l'année passée. Cette agence-là a tous les pouvoirs pour donner aussi des amendes et des constats sur la réglementation municipale. Et on l'a mis cette année en vigueur plus rapidement parce qu'on a constaté que les jeunes ont jeté des lampadaires à terre dans le parc Antoine Picodi. Je veux vous signaler que ça coûte quand même cher à la ville, un 6 000 $ qui est parti comme ça. Ça aussi, ça m'inquiète si on commence à faire du bris. Donc, on a demandé d'avoir, à chaque fois que ça soit un bris de vandalisme, que ça soit rapporté par nos employés pour qu'on puisse mettre le coût pour pouvoir un jour avoir un calcul du vandalisme, ce qui fait en sorte que le coût du vandalisme, on aime mieux le mettre dans une agence de sécurité qui va sur notre territoire également. Donc, vous voulez des choses, oui, faites un rapport à la police, mais s'il vous plaît, faites une requête d'envoi-là aussi pour que nous aussi, on puisse se localiser puis envoyer notre agence quand elle est présente certaines soirées sur le territoire. Donc, on va la diriger. Également, je sais qu'il y a une publication qui a fait beaucoup réagir sur les feux extérieurs. Donc, écoutez, il y a des gens qui ont des gros malaises de santé, des respiratoires, de l'asthme, des maladies respiratoires. Il faut comprendre que si on va dans le règlement, parce que là, c'était comme marqué en gros, puis les gens, je pense qu'ils ont pensé qu'ils ne pouvaient plus faire de feu, mais ce n'est pas le cas. Il y a deux réglementations pour les feux extérieurs. Il y a une réglementation sur la position du foyer dans sa cour. C'est sûr que des semi-détachés, il ne reste plus grand place pour mettre un foyer déjà, à cause qu'il y a des distances sécuritaires obligatoires que
notre service d'incendie doit mettre en place. Et il y a également qu'est-ce qu'on peut faire brûler, qu'est-ce qu'on peut pas faire brûler. C'est pas un incinérateur, un foyer. Du bois traité, c'est dangereux pour la santé, c'est toxique. Des feuilles, on met plus ça. On ne met plus ça en 2024 dans des foyers. Maintenant, on ramasse, il y a des cueillettes de feuilles. Donc, et pour la phragmite, on ne brûle pas ça non plus de la phragmite. Ça prend une autorisation spécifique du service incendie. Et depuis des années maintenant, la phragmite, on permet à nos citoyens d'aller la porter gratuitement à l'éco-centre. Donc, c'est des mesures pour, oui, faites des feux dans le respect de vos citoyens. Si on a sensibilisé les gens avec ça, c'est justement parce qu'on pense qu'on peut encore se permettre à contre-cœur d'avoir un foyer dans notre cour puis de ne pas aller nécessairement comme Varennes, Sainte-Julie puis Longueuil où il y a beaucoup de secteurs qui n'ont plus droit d'avoir aucun foyer. Ici, on ne veut pas aller là, mais sauf on demande à la population de respecter le voisinage en respectant la réglementation où est disposé le foyer et qu'est-ce que vous faites brûler pour que tout le monde puisse vivre ensemble d'une manière paisible. Également, j'aimerais moi aussi remercier tous les citoyens qui se sont déplacés samedi. Je suis restée vraiment surprise en cette journée pluvieuse. Je m'attendais le matin, là, mais c'était vraiment humide puis froid, fait que je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde qui participe, mais au contraire, vous avez répondu à l'appel. Il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants, puis ça me touche beaucoup de voir ces enfants-là prendre soin aussi de leur planète, puis qu'ils aient conscience aussi qu'ils veulent pouvoir faire en sorte que la planète se porte mieux. Aujourd'hui, j'ai eu une demande d'une citoyenne. On faisait ça les autres années où ce qu'on demandait aux gens de se prendre en photo quand ils ramassaient. Fait qu'on va voir comment qu'on peut remettre aussi ce principe-là pour pas que ça soit juste une cueillette annuelle pour les îles et les berges, mais comment qu'on peut faire la promotion pour que tous nos citoyens nous aident aussi à nettoyer nos endroits publics. Starmania, bien, ceux qui l'ont manqué, c'est bien dommage. La soirée, c'était complet, et le dimanche aussi, c'était complet. C'était du grand spectacle, c'était digne de grands honneurs aussi. Ces gens-là se sont pratiqués pendant plusieurs mois, les costumes, la mise en scène, les chanteurs qui ont pas juste ceux qui sont en chorale, les voix, les musiciens. L'année prochaine, c'est Notre-Dame de Paris, donc prenez-vous tôt. Prenez-vous tôt pour avoir des billets, je pense que ça vaut la peine. On est chanceux de les avoir chez nous, cette OBNL qui donne du plaisir par le spectacle à nos citoyens et nos citoyennes. Je vous souhaite une excellente fête des mères. Ça se peut que dimanche après-midi, si vous m'écrivez, puis samedi soir, que je vous réponde avec un décalage horaire parce que je vais être avec ma mère, ma belle-mère, puis je vais passer mon dimanche avec mes trois fils, parce que moi aussi, je suis maman, puis moi aussi, j'aime mes fils, puis j'aime ça être avec eux. Fait que, mais inquiétez-vous pas, je fais toujours vos suivis, mais je vais prendre mon temps de qualité en fin de semaine avec mes gens que j'aime pour célébrer cette belle journée qui est remplie d'amour. Sur ce, je souhaite un bon retour à la maison, puis on se revoit le mois prochain. Merci. Je propose la levée de l'Assemblée. Donc, M. Bérard, au point 23, propose la levée de l'Assemblée. Et j'appuie mon collègue. Et c'est appuyé par Mme Karine Messier. Merci. Thank you.